comprends pas. Je comprends pas. Non, non, même là, je comprends pas. Là, je comprends pas non plus. Je comprends pas. Là, on n'est plus dans la tristesse. Non. Là, on n'est même plus dans la colère. Là, on est dans l'humiliation. C'est-à-dire qu'on a été humiliés. Humiliés. Nous avons été humiliés devant la France entière. Humiliés. Humiliés par Rodez. Pour les 142 ans du club. 142 ans d'histoire, de légende, de Coupe d'Europe, d'exploits, de titres, pour en arriver à une affiche contre le grand rival ruthérois, ruthénois. Forza à tous, c'est Snake Hill qui se fait killer par sa propre équipe, c'est une catastrophe. Et avant de parler des Girondins de Bordeaux, on va juste ouvrir le dossier Rodez. Je vais revenir sur le comportement de certains joueurs de Rodez que je trouve très limite, que je trouve même irresponsable au vu du contexte. Tu es accusé, pour certains, d'avoir volé ton maintien. Certains le disent, notamment la banderole, du virage sud, etc. Donc viens à Bordeaux calmement, viens à Bordeaux pour faire ton match, viens à Bordeaux pour donner tout le sur-terrain, comme tu l'as fait, bravo à toi. Par contre, ne viens pas à Bordeaux pour provoquer, ne viens pas à Bordeaux pour en rajouter une couche. Permettez-moi de dénoncer l'hypocrisie des gens sur les réseaux sociaux. Parce que ces mêmes personnes qui prennent la défense de Rodez en pensant qu'ils prennent la défense de la veuve et de l'orphelin, tu sais, ces mêmes personnes-là, si c'était la situation inverse, elles changeraient complètement de discours. Ce serait plus les pauvres joueurs de Rodez qui se font honteusement siffler par le supporter bordelais. Ça deviendrait les condescendants joueurs de Bordeaux qui se permettent de répondre aux provocations des supporters de Rodez alors que ce sont des joueurs professionnels. Et puis avec les screens, avec les vidéos en train de les joueurs bordelais faire ça, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pris dans la gueule? Et pour les quelques ahuris sur les réseaux sociaux qui essayent de salir mon image en disant que je tolère la violence dans les stades, que je suis complètement noyé dans mon clubisme. Ces gens-là, ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas les vidéos sur YouTube et c'est bien dommage. Ils prennent des bouts de phrases sur Twitter pour me cataloguer. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai toujours dit, je ne me suis jamais défilé, que si on n'est pas monté en Ligue 1, c'est pas la faute de Rodez et de Boadès. Le supporter bordelais qui a bousculé Boadès, aujourd'hui, 2 ans d'interdiction de stade, d'accord? Il a été condamné, il assume ses actes. C'est triste, mais c'est mérité. Dites-vous qu'à chaque fois que Bordeaux va jouer, il doit pointer au commissariat pendant 2 ans. Vous imaginez la sanction? C'est très très lourd. C'est très très lourd. Mettez-vous à sa place, c'est lourd. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de parler de Bordeaux, de dire ce qui va pas à Bordeaux, sans dire ce qui va pas à Rodez. Mais ça, les gens ne voudront jamais l'entendre. Parce que c'est pas comme ça que les choses ont été présentées au commun des mortels. Mais je m'en fous, je suis pas là pour faire un débat. On sera jamais d'accord, fermons le débat, ça sert à rien. Parlons plutôt du match. Un match qui malheureusement s'est terminé en altercation entre Albert Ellis et Hag, le gardien joueur de champ ruthénois. Alors on va tout de suite remettre ça dans le contexte, parce que là aussi vous avez entendu tout et n'importe quoi, encore une fois sur les réseaux. Moi j'étais au stade, on a tout vu, ça a été filmé, il n'y a pas de problème, on va le dire. Oui, Albert Ellis, clairement, sur le coup il a été un abruti. Voilà, il n'a pas à réagir comme ça, même si l'autre y provoque. Il doit garder son calme, bien entendu. Maintenant que j'ai dit ça et que j'ai reconnu que c'était la faute d'Albert Ellis, il y a quand même une raison, hein? Monsieur Hag, je ne pense pas que Albert Ellis, s'il ne veut pas te serrer la main, c'est peut-être que ton comportement n'a pas été irréprochable, hein? Je te rappelle que 10 minutes avant, quand tu prends le maillot de ton gardien pour faire gardien, et bravo à toi parce que c'est pas évident ce que t'as fait, tu t'es quand même retourné en plein match devant le virage chute comme ça, et t'as fait ça, comme ça. 4 fois. En plein match, 4 fois. 4 fois t'as fait ça.
profite bien, Hague, de ton heure de gloire, du petit trophée Beansport, homme du match. C'est les Girondins qui t'ont donné une carrière. Pour qui tu te prends? Tu te prends pour Mbappé? Mais t'es qui pour chambrer, toi? Toi, t'es qui pour chambrer? C'est quoi ton pédigré pour chambrer? Toi, tu fais nul contre Bordeaux, d'accord, hein? Ton club, il a jamais été en Ligue 1 de sa vie, donc s'il te plaît, reste tranquille, reste à ta place. Godefroy de Montmirail, là, avec ta coupe de cheveux des visiteurs, là, hein? Avant de demander le respect qu'on te serre la main, sois respectable. Parlons maintenant un peu football. Pourquoi Bordeaux n'a pas réussi à gagner ce match? Eh bien, tout simplement parce que Bordeaux joue d'une façon déraisonnable. Voilà, on cherche à jouer comme le Barça, comme City, à faire des passes, des possessions, du tralala, de la Zumba. On veut faire danser les équipes, mais pour l'instant, on danse dans notre baignoire. On danse dans l'ascenseur qui nous mène en national, les gars. On s'en fout de bien jouer. Putain, on veut juste aller en Ligue 1. On vous a pas demandé de nous faire des séquences à 35 passes latérales. On s'en fout en fait. Quitte à ce que ce soit moins beau sur le terrain, est-ce que l'urgence de points ne va pas nous obliger à finalement jouer comme toutes les équipes de Ligue 2? C'est-à-dire d'abord sur la solidité. Parce que si t'es pas solide, tu peux rien espérer. Saint-Etienne, s'ils sont bons cette saison, si Laval a fait un bon début de saison, c'est parce que c'est des équipes d'abord qui sont solides et qui ensuite devant sont efficaces. Nous, on a 85% de possession de balle. Ouais, on aurait dû gagner contre Grenoble, on aurait dû gagner contre Laval, on aurait dû gagner contre Caen. Oui, mais sauf qu'à la fin, au bout de 38 journées, qu'est-ce qu'on va faire? On va être 15e en disant « Oh, ben on aurait dû gagner 36 matchs sur 38 ». Mais non, la vérité, c'est qu'on ne gagne pas, c'est qu'on perd, qu'on fait match nul. Parce que les équipes, elles nous attendent, elles savent très bien comment nous contrer. Elles savent très bien comment contrer notre tactique. Alors si le but, c'était de créer une équipe sur 2 ans, de créer une façon de jouer, ok, mais dans ces cas-là, ne dis pas qu'on joue la montée cette saison. Dis plutôt qu'on a changé la moitié de l'effectif, qu'on va tenter de jouer d'une autre façon, mais que ça prendra du temps, et que cette saison, ça va être une transition, et qu'on jouera le monté l'année prochaine. Mais ne dites pas aux supporters que « Ouais, on met 12 millions, et puis on va jouer la Ligue 1, parce qu'on est les meilleurs !» Parce que moi, je vais vous dire un truc, je pense qu'on n'a pas respecté la Ligue 2. Moi aussi, genre, je me mets dans le paquet. On s'est dit « Ça va être facile, même si on change la moitié de l'équipe, la Ligue 2, c'est tellement faible, qu'il suffira de mettre 12 millions d'euros sur le mercato, de prendre des bons joueurs pour que hop, ça y est, ça marche. Sauf que le football, ça marche pas comme ça. Sinon, Paris aurait déjà gagné 3 fois la Ligue des Champions, 5 fois la Ligue des Champions. Le football, c'est pas des individualités, c'est un collectif. L'année dernière, il y avait un collectif, il y avait une histoire avec les jeunes, etc. Aujourd'hui, le collectif, bah, il est mort, il n'y a plus de collectif. On doit tout repartir à zéro. Et je pense que ce Bordeaux-là, pas forcément sur le papier, mais d'un point de vue purement visuel et sur le collectif, on est moins bon que la saison dernière. Et je me suis trompé. En début de saison, je me suis trompé. Je pensais qu'on serait meilleur, mais en fait, non. Le collectif n'est pas meilleur. Et ça va prendre énormément de temps pour inverser la tendance. Donc là, eh ben, il va falloir revoir nos objectifs, tout simplement. Aujourd'hui, l'objectif, clairement, sans vouloir dire qu'on joue le maintien, mais on joue un peu le maintien quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il va falloir quand même qu'on prenne des points pour déjà se dégager de la zone rouge. Parce que oui, la 5e place est à 9 points. 9 points sur une saison, oui, c'est encore très long, on peut remonter. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parler de montée. Personnellement, je ne parlerai plus de montée. Et les joueurs, faites-en de même. Arrêtez de nous vendre la montée. Maintenant, faites-vous plaisir, pensez à vous, retrouvez le goût du football, faites-vous plaisir en fait, prenez des points, faites plaisir aux supporters. Et ensuite, si on arrive à être régulier, on parlera dans 3-4 mois de la montée. Mais pour l'instant, la montée, c'est terminé. On arrête d'en parler, il n'y a pas de montée. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de parler de montée. On est juste en mesure de se regarder dans une glace, de comprendre qu'on est une équipe avec beaucoup de lacunes, qu'on est inférieur à beaucoup d'équipes de Ligue 2 aujourd'hui, et ça me fait chier de le dire, mais je le reconnais, et qu'il va falloir travailler durement pour essayer, en deuxième partie de saison, de remonter petit à petit, si ce n'est pas trop tard. Parce que c'est peut-être déjà trop tard. Le sentiment qui prédomine en moi aujourd'hui, c'est que je suis écœuré. J'ai vraiment un écœurement qui a atteint un niveau comme il n'avait jamais atteint. Autant quand on descendu en Ligue 2, j'étais en colère contre les joueurs, tu vois, contre leur comportement. Mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, c'est pas de la résignation, mais je suis écœuré. J'arrive à un point où même commenter le match contre Bastia là, sur ma chaîne samedi, ben c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai l'impression que j'ai encore passé un mauvais moment en fait. Tu vois? Et non, ce n'est pas de ma faute, parce qu'à un moment donné, je me suis dit c'est de ma faute tout ça. Parce que j'ai dansé en fin de saison dernière, j'ai porté la poisse à l'équipe. Là, contre Laval, on gagne 2-0 au bout de 18 minutes de jeu. J'ai fait un tweet en disant ouais, 2-0, allez, 5-0 maintenant, tout ça. Bim! 2-2. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, arrête Snakeil, c'est pas de ta faute. Parce qu'il y a des gens, ils m'ont insulté pour ça. Ils m'ont dit, ah, tu m'es passé pour des cons, ferme ta gueule, putain, mais. C'est pas moi, les gars, qui suis sur le terrain. C'est leur faute, en fait. C'est eux qui se font remonter. Le prochain match, quand on va gagner 4-0 à Bastia, il va falloir que je dise rien. Parce qu'on est capable, en 10 minutes, de se faire 4-4. Et après, on va me dire, ouais, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fanfaronné?
Bah les gars, il y a 4-0, comment voulez-vous que je le devine? Mais là c'est pareil, comment voulez-vous que je devine qu'à 2-0 on va se casser la gueule? Alors qu'il y a 30 000 personnes, que, au vu des circonstances, l'équipe elle était au taquet. Personne n'aurait pu le deviner, il y avait plus de chances de gagner au loto. Merde quoi. Pas ma faute moi, c'est la faute des Bordelais, c'est leur faute. Allez, allez vous plaindre aux Bordelais. En plus c'est dommage parce que franchement la composition d'équipe, elle était bonne. Quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, enfin du changement, Rira, il a mis Johnson, il a sorti le gardien Strazek. Ça c'est courageux de sa part et ça réconforte dans le sens où au moins on sait que chaque joueur est sur la serrette, qu'il n'y a pas de joueur avec des statuts. Et ça c'est bien de rabattre les quatre. Mais après, la performance de Johnson, on ne peut pas trop juger, c'est son premier match. Et sur les débuts, bah, il ne peut pas grand-chose. Derrière, tu fais une superbe entame de match. Franchement, les 25 premières minutes de Bordeaux, elles sont excellentes. Il y a de l'engagement, tu sens que les joueurs ils sont impliqués, on marque deux buts. Et puis, comme d'habitude, c'est toujours pareil avec Bordeaux, on relance les adversaires. Rodez ne fait absolument rien du match. Cette fois-ci, c'est Kasubi qui fait une énorme erreur individuelle en perdant un ballon dans l'axe, alors qu'il n'y a pas de danger qui pouvait la passer devant. Encore une fois, on tergiverse, on veut trop jouer en arrière, on se fait punir. Interception, but, et forcément à 2-1, bah, tu relances l'équipe, tu leur permets de croire en un retour. Et derrière, on a une équipe de Bordeaux qui n'a pas de caractère, qui regarde ses pieds, qui se trompe de combat en essayant un peu de chauffer les ruténois plutôt que de concentrer sur leur jeu, sur marquer un troisième but. Devant, on a Vipotnik, j'étais content de sa titularisation, qui n'a pas fait un mauvais match, mais malheureusement, il n'a pas été décisif, notamment sur son face-à-face où il dribble le gardien. Et mais derrière, le dribble est un peu long, alors il ne veut pas frapper du droit parce qu'il y a un joueur qui est déjà placé sur sa ligne. Il a remis en rotation sur David Tachvili qui rate, mais l'immanquable, il est tout seul à 1 mètre, il tire sur le joueur qui sauve sur sa ligne. Enfin bref, voilà. Dans les deux surfaces, en fait, on n'a pas la finition. L'espoir au Girondins de Bordeaux, c'est quoi? C'est la jeunesse, parce qu'il reste encore quelques jeunes qui sont bons. De Lima, quand il rentre à chaque fois, je l'aime bien, il est percutant, j'espère le voir plus souvent, j'aimerais même le voir titulaire. On le voit plus, hop, tu vois, dribble chaloupé, on est bien. Là, on est sur une pirogue qui pirogue, alors que Jérémy Livolan, on est sur le Titanic. On ne le voit plus. On nous a vendu le joueur emblématique de Guingamp, pris Puskás avec son but incroyable à Laval la saison dernière. Là, on a eu son cousin, en fait. On a eu le cuistot. Je sais pas. Il fait des crêpes bretonnes, peut-être. Très bien, peut-être. Mais il n'est pas footballeur. Moi, je veux bien être gentil avec Jérémy Livolan en début de saison. Mais là, je ne suis plus gentil. Là, quand je le vois rentrer, c'est inadmissible. On dirait un poisson rouge dans un bocal. Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est que t'as des joueurs qui étaient bons qui ont été infectés. Hein? Alors ouais, il a été blessé, il y avait une blessure, mais Vital Nsimba, alors ouais, t'as une belle coupe de cheveux, d'accord? Mais quand on n'est pas capable de faire une touche correctement et qu'à cause de ça, on prend un deuxième but, là aussi, faut vraiment se remettre en question, arrêter de faire des conneries. Si même les cadres et les tauliers de l'équipe de la secondaire s'y mettent... Ah, mamma mia, santa madonna. À la fin du match, j'étais dégoûté, d'accord? Je suis parti voir le ciné-concert du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Ça faisait 2 ans que j'avais les places. Je me faisais une joie d'y aller. Alors j'y suis allé en pensant que ça allait me changer les idées. Je me suis dit, voilà, je vais oublier le temps d'un instant, ça va être cool. Mais même pas! J'arrivais pas à me sortir le match de la tête. Alors, rassurez-vous, j'en ai quand même un peu profité, d'accord? Mais par exemple, quand Aragorn il arrive devant la porte noire du Mordor et qu'il y a l'œil de Sauron qui le regarde, mais moi j'ai vu l'œil de Lucas Bodès. Il est apparu comme ça, j'ai fait... Qu'est-ce qui se passe? Gollum qui arrive par derrière comme ça. Moi j'ai vu Hag. C'était pas la tête de Gloom, c'était... Ils ne sont pas très savoureux, pas vrai mon précieux? Non, ils me l'ont frôlé. La tête d'Hag. La tête d'Hag. Quand t'en arrives à ce point-là, tu te dis que le football ça te monte quand même vachement à la tête. Hein. Et c'est dans les moments comme ça les amis, qu'on mesure à quel point il y a des gens qui aiment les Girondins, et à quel point il y a des gens qui sont opportunistes. Si vous êtes avec moi samedi, pour Bastia Bordeaux, et que vous êtes supporter bordelais, eh bien soyez fiers de vous par avance. Parce que vous faites partie des vrais. Vous faites partie des vrais. On n'abandonne pas son équipe. Alors, je vais pas vous faire un dessin, Bastia, il nous déteste. Bastia, il rêve que d'une chose, c'est de nous éclater. De nous écraser. Ok? Ils sont proches de nos classements. Eux aussi, ils font pas un bon début de saison. Donc, le match de Bastia, ce sera pas un match de foot. Ça va être un combat. Si vous n'êtes pas prêt à combattre, si vous n'avez pas un temps, soit un peu d'amour propre et de caractère, déclarez forfait, parce que vous allez vous faire démonter. Donc, aujourd'hui, moi, je vous demande pas de jouer la montée. Je vous demande pas de gagner 5-0, je vous demande simplement de faire un match d'homme et d'avoir du caractère. Pouce bleu à cette vidéo si tu lâcheras pas les Girondins ou si tu as kiffé tout simplement ce débrief. Excusez-moi encore, il est sorti avec plus de retard que d'habitude. On est où? On est là. Mange des chocolatines et allez Bordeaux!